le groupe des scouts et guides de France de Châtenay-Malabry en branche Pionnier Caravelle qui rassemble des jeunes de 14 à 17 ans. Nous partageons des moments comme des week-ends sous la tente, des réunions, voire des rassemblements à l'échelle nationale, ainsi que le projet de camp de l'été que l'on prépare durant l'année. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu l'opportunité d'aller en Italie et de se jumeler avec une caravane locale dans l'objectif d'entretenir un parc naturel des Dolomites. Durant l'année, nous faisons ce que l'on appelle un cap, qui consiste à apporter notre aide aux autres en leur faisant partager nos valeurs. Ainsi, nous sommes allés animer des activités dans une maison de retraite. Cet été, nous projetons de partir au rassemblement des pionniers caravelles de toute l'Europe intitulé Europe, qui se déroulera à Strasbourg. Ce sera un lieu d'échange et de partage. En plus de ça, une caravelle de notre groupe, Laura, a eu la chance d'être élue par les scouts des Hauts-de-Seine pour nous représenter au Japon lors d'un rassemblement international, le Jamboree mondial. Oh putain! There's a river that runs through Glasgow, and it makes her, but it breaks her, and takes her into part. The current, just like my blood flow, down from the hill, round aching bones to my restless heart. Tu vas au Japon ? Oui, j'ai été élue par les pieux du bas des Hauts-de-Seine pour les représenter au Jamboree mondial. C'est le rassemblement de tous les pieux du monde entier. Il y aura 30 000 scouts qui viennent de 150 pays différents et on est 200 Français à participer. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas en fait ? Bah, je vais vivre une expérience internationale unique et je vais rencontrer des scouts de partout dans le monde en participant à des activités. Et le thème, c'est l'esprit d'unité. Mais comment tu vas faire pour y aller? Parce que le Japon, c'est quand même loin et c'est cher. Oui, c'est pour ça que je suis très motivée à trouver un moyen de financement. J'ai d'ailleurs entendu dire que des plateformes en ligne pourraient m'aider à concrétiser ce projet. D'ailleurs, ça se passe où et quand en fait? C'est à Kirahama de la préfecture de Yamaguchi, du 28 juillet au 8 août. Pour réaliser ce projet, on a envie.